Fais chier. Ouais, bah c'est cool. Ouais, je suis plutôt content quoi. Je suis plutôt content. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Ils m'ont pété un truc? Ouais. Bah, je viens de me faire péter la vitre de la voiture, quoi. Plutôt sympa comme réveil. Je suis plutôt content. Il y en a partout. C'est super. Ah, bienvenue pour ce nouveau vlog. Sympa, ça. Bonjour tout le monde, comme vous avez pu voir, le début de la journée était plutôt pas fun en fait. On m'a pété la vitre de la voiture, donc je vais devoir maintenant... j'ai fini ma FAQ en bas et maintenant je vais devoir aller chez la police pour aller déposer plainte. Et ensuite je vais aller chez Carglass, faire poser une vitre en plexi temporaire pour protéger la vitre. Thomas arrive aujourd'hui en plus en fin de journée, donc c'est très chiant. Mais c'est pas grave, on va y aller, il n'y a pas le choix. Allez. Dans un autre registre, ce matin, je suis passé sur le périscope de Fun Radio, en fait. Et ils étaient en train, apparemment, de parler de mon périscope d'hier, où on a fait plus de 2000 personnes. Et apparemment, ils vont parler de moi en direct, donc on va voir ça ensemble, ça va être cool. Fred, qui s'installe à midi sur Fun Radio, salut. Salut Mika. Bon, on a nos petites habitudes, maintenant, périscope allumé depuis quoi, 10 minutes, un quart d'heure? Ouais, c'est ça, on est connecté. Venez nous rejoindre, Fun Radio-du-bas-fr, il y a plein de monde, il y a même Wartek, le youtubeur. Eh, c'est classe ou pas? On a des stars maintenant, ouais, grave. Fun Radio à midi avec Fred, bisous poteau. Yes. Voici avec Swelling Grosso la suite. Wartek, ça fait 15 000 la dédicace maintenant. Ah c'est cool, en tout cas je leur ferai une petite dédie ici, 85. Une petite dédie dans mon prochain PLI, c'est promis. Et bah du coup vu qu'ils regardent mes vidéos, bah ils verront mon vlog là où vous êtes dedans. Merci beaucoup franchement, merci pour la dédicace, ça fait super plaisir. J'espère pouvoir passer peut-être chez vous une fois. Ce sera avec plaisir en tout cas. Comment vous dire que, je sais pas, vous voyez pas je pense, mais regardez le bord, enfin je sais pas si vous arriverez à voir. Non, en vrai vous voyez rien, mais en gros, il y a un bordel pas possible, j'ai dû mettre genre un espèce de carton derrière là, pour colmater la vitre. Donc autant vous dire que je suis plutôt content là, je suis heureux, qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, je suis heureux. Je vais aller chez les flics, je sais pas si je vais pouvoir filmer en entrant en poste de police, mais voilà. Mais j'ai installé un petit truc là, vous pouvez voir ici. Là, regardez, hop là, la petite GoPro là, vous voyez. Ça va faire des plans plutôt sympas, je pense. Voilà, regardez-moi ce merdier là. Putain, une appart, regardez même là-dedans. Putain, c'est chiant. C'est là ?
Bonne journée. Le poste de police est fini évidemment, j'avais pas filmé chez les flics. Mais en tout cas très gentil, je suis le 7ème cas aujourd'hui donc je pense que ils ont l'habitude. Donc maintenant je descends juste avec mon père en ville rapidement. Après je remonte parce que je dois finir de monter du coup la FAQ de ce matin. Et après je vais chercher Thomas à 18h30 et ce soir je sais pas ce qu'on fait, je sais pas si on va bouffer dehors avec Thomas ou pas. Enfin bon, je vais me balader avec ma magnifique... C'est beau ça non? Non, c'est plutôt cool ça. Pour résumer cette matinée, bah globalement j'ai vu la voiture donc avec la vitre pétée qui est là derrière. Donc il y a tous les bouts de verre derrière, je sais pas si vous avez vu quand j'ai ouvert la porte chez les flics. Donc en fait ce qui va se passer maintenant, donc faut savoir, voilà pour ceux qui n'ont pas encore de voiture, je vais vous expliquer un peu, parce que c'est quand même la quatrième fois que ça m'arrive depuis que je conduis, c'est-à-dire que je commençais à conduire à 17 ans parce qu'à Genève on avait des voitures ce qu'on appelait bridées 45 km/h en fait, où vous aviez le droit de conduire à 17 ans mais la voiture n'allait pas plus vite que 45 km/h. Mais bon c'était le feu à l'époque, genre on était les kings de la route quoi, genre j'avais 17 ans, je conduisais, c'était génial. Bref, donc ça fait 8 ans que je conduis. Faut que je change de voie. Et du coup en fait ça m'est arrivé 4 fois, on m'a pété 2 fois la vitre. Une fois j'ai eu un accident, c'était pas de ma faute, mais moi on m'a pété aussi les vitres, bon bref. Et du coup en fait là ce qu'il faut faire c'est, vous allez, si c'est un vol, il faut porter plainte chez la police, qu'ils fassent le rapport. Ensuite vous contactez votre assurance, qui vont vous rembourser la somme de ce que vous vous êtes fait voler. Bon je me suis fait voler un sac avec pas mal de trucs dedans, donc c'était un peu chiant, bref on va pas s'étaler là-dessus. Et bah là, oh putain, on me voit plus. Et là en fait je vais rentrer du coup, parce que je dois monter comme je vous disais la fac que vous avez vu hier. Et puis après chercher Thomas, donc voilà. Bon ok, je vous l'accorde. J'ai pas l'air très très sexy comme ça, hein. c'est pas fou. Mais ça me permet de faire des plans sympas en fait, quand vous faites justement des plans, vous allez voir quand je conduis et tout. Ça va faire des putains de plans. J'ai fini de monter la FAQ, je suis en train de l'uploader et du coup, bah, ensuite, je vais pas tarder à aller chercher Thomas, il arrive dans 1 heure environ. Et je vais juste faire une petite vidéo avec un pote là, mais vous allez voir, les plans là risquent d'être sympas dans les vlogs à venir. La FAQ est prête, c'est celle que vous avez vue du coup hier. Je vais la mettre en ligne dans pas longtemps là. Il y a une imprimante qui s'imprime là-bas, ça fait un boucan pas possible. Je vais la mettre en ligne dans pas longtemps. Du coup là, il est 18h06 ou 7, je sais plus. Je vais partir chercher le Thomas. Et du coup, je vais vous faire quelques plans aussi avec la GoPro dans la voiture pour tester. Ce soir... La feuille vient de tomber. Ce soir, ça va être... Je sais pas si on va les prendre à bouffer dehors ou quoi, j'en sais rien. Donc, je vous tiens au courant et puis on est parti. T'as regardé, il a ramené plein de trucs à la con. C'est trop bien. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Qu'est-ce que tu fais? Je vais te planter moi, tu vas voir. Ouais. Regardez-le. Mais non mais... On est rentré, comme vous avez pu voir en fait, bah déjà là vous avez déjà vu certains plans que j'ai pu faire à la GoPro. J'espère que vous trouvez ça cool, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien un peu cet effet GoPro, machin, si vous trouvez ça cool. Putain ça va. Voilà, je suis enfin arrivé à... Il est chiant de parler en même temps que moi. Et bref. Et du coup on va aller chercher Chinois ce soir. Je vais essayer de prendre quelque chose d'un petit peu léger parce qu'il faut hein, que je fasse gaffe. Et puis ce soir tranquillement on va faire un périscope avec Thomas. On va voir un peu le monde qu'on va avoir. Ça risque d'être sympa, on va être les deux. Thomas fait pas mal de périscope. Et puis demain on va faire voler le drone. Et il faudrait, normalement je vais peut-être passer à énergie demain mais je suis pas sûr. Il s'est changé. Bon, il a mis ça. Il s'est changé. Mais regardez-moi cette merde. Avant, au sport, je m'habillais comme ça, hein, pour aller aux entraînements. Sauf que bah, c'est parti en couille. Maintenant, j'ai plus de sport, mais je continue. Oh là 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 là.
ce petit périscope là avec Thomas. Il va filmer sur son G7 là, la montée des chiffres. On est arrivé hier, je suis arrivé à 2300 solo. Là j'ai mis périscope avec ma meuf. Donc ça c'est va. Parti. C'est on bon. On retourne. Ouais, est-ce qu'on nous voit? Alors, voyons le petit chiffre là en bas. Attention, et personne, 6. Putain, ça déconne. Ça merde, exploser. Ça déconne, ça va exploser. Bonjour. Attends, décale-toi vers moi. On est 0. On est. Ah, Ortec, Daniel. Et on est à 0. On est à 0 personnes. Voilà, bah, c'était bien. 1000, j'ai vu. Non. Si, j'ai vu 1K. Ta gueule. J'ai vu 1K. Mais attends, on a pété. Attends, il tombe en plus. Là, j'ai vu 1K. Attends, mais on a pété périscope encore ou quoi? 4,2, regardez. 4. Oh, merde, on est plus que 4 là. Putain, ça... à chaque fois que je vais montrer, ça descend. On est 4,2 là. On était 4K, donc on est plus de 4000. Hein. Je crois que si je slide à gauche, normalement on a le chiffre exact. Normalement là-haut. Voilà, 4184 spectateurs sur Periscope. Donc je pense que c'est pas. Et voilà, fin de ce petit vlog aujourd'hui, les amis. Je viens de finir d'éditer le vlog que vous venez de regarder. Monsieur Thomas qui édite le sien là. Regardez-le, on dirait un délinquant avec son truc. Regardez. Un putain de clochard. Un clochard! En train d'éditer son vlog de la journée d'aujourd'hui du coup. Ouais. Et voilà, fin de cette soirée. Demain plein de choses, vous avez déjà tout expliqué aujourd'hui. Voler le drone, faire une outro. On va faire une outro, peut-être jouer chez Energy, mais c'est pas sûr parce que c'est un peu compliqué en termes d'orga et tout. Mais bref, fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous tiens au courant pour la voiture, les réparations, tout ça. Et dans deux jours, enfin non, du coup, ouais, mercredi, on part à Paris. Portez-vous bien et à demain. Ciao tout le monde.